Se no vida coño, el burro crimina el barrio. Es juicio amigo, de terco el colombiano. Se no vida coño, el burro crimina el barrio. Es juicio amigo, de terco el colombiano. Et en cas galère, ouais, y'aura Chivo Nacho juste derrière. Les facos pensent qu'ils vont faire devant le canon sillier, toi tu vas taire. Amigo, c'est la rue, j'te raconte nos vidas. Ça va braquer sinon, j'mange comme en plata. J'vois une patrouille en face, j'suis posé sur le toit. Une bavure sur ma mère, j'allume toute la guardia. J'respire jamais go, mon seul moyen de survivre c'était devant de la muerte. Et tous les toxicones, j'ai salvaje, tu triches, y'a moi que la dose indique. C'est la rue, cono, el burro, criminel comme Chapinero. Avec sa vie, mon hermano, j'ai traumatisé tout ton putain de barrio. Ouais, c'est la rue, hermano, el burro, fait tapiner les petits de rancho. Avec nueve, mon hermano, j'ai mis à quatre pattes les familles, c'était pas beau. C'est la rue, cono, force aux frères enfermés, Quince et Lanzo. Avec suerte, mon hermano, j'ai défendu el burro, j't'ai niqué ta mère, cono. Ouais, ouais, c'est nos vidas, cono, el burro, criminel barrio. Et j'suis sur amigo, des terres comme el colombiano. C'est nos vidas, cono, el burro, criminel barrio. Et j'suis sur amigo, des terres comme el colombiano. C'est nos vidas, cono, el burro, criminel barrio. Ouais, j'suis sur amigo, des terres comme el colombiano. Ouais, colombiano, des terres comme el colombiano. Ouais, colombiano, des terres comme el colombiano. Connected, channel switch. Ouais, ils voulaient tous m'enfermer, j'suis ressorti avec bien plus de rage. Par la guardia me noté, mais ils trouvent rien sur moi, j'suis un brave. Y'a Python derrière moi, si ça tire mon ami, c'est qu'on est deux. J'suis solide, moi j'm'arrête pas, tu veux pas faire la guerre, t'es qu'un peureux. Claro, c'est nous que tu connais. Ça t'arrache pour te la monnaie. Marabouta, c'est pas un jeu. Tu peux canner, fais pas le nerveux. Revendeur qui distribue, rare vendeur qui dit ce qui pue. Cognon, on ne vit pas la même chose. Cognon, on ne vend pas la même dose. Et à l'ancienne, si tu parlais mal, on montait dans la première coachée. Aujourd'hui, petit, c'est plus le même bail. Parce que Salvaje est recherché. Ouais, moro, F, c'est fils de pute. Ça fait pas se dé pour marquer le but. La rue rend parano tout. Tu prends ta rafale, tu vas là-bas. Impliqué dans les plus grosses affaires. Le casier est long comme Assassin. La rue del Burro n'est pas un jeu. On est une balle, t'es mort, y'a pas de coup de feu. Impliqué dans les plus grosses affaires. Le casier est long comme Assassin. La rue del Burro n'est pas un jeu. On est une balle, t'es mort, y'a pas de coup de feu. Aguilar Salvaje, Marabunta, tu nous connais. Visage balafré, revend droga pour faire monnaie. Dans la merde, les deux pieds. La rue connaît tous nos secrets. Des histoires compliquées, des morts, des pleurs, on est impliqué. J'leur fais des coups d'écrasse, la limite on dépasse. On écrase, tous vos OG on les casse. Sous à sous les rages, voilà, et puis monnaie casque. Yo yo yo. Oh, je vais casser mon crâne, je lance une bouffée de carkill déjà. Ta mère, toi. Ça va ou quoi le chat? Bien. Ouais, ça y est, j'ai lancé une petite heure là. Une petite 2 heures, on va dire. Histoire de. Mais bon, ça y est, Unai Simon, il est bien sympa, mais. Je pense que j'ai un match de foot, hein, pas le cirque, donc. Quatre heures en vrai. Bah non, ça va dans sa 21h le match, c'était bizarre. Bref, on va vendre un petit peu solo quartier vu que. C'est
après-midi, on s'est fait baiser par les marins. Enfin, on s'est fait baiser, je sais pas là. Et en vrai, c'était pas beaucoup. Mais. Ouais, en gros. Bah, j'ai pas joué, moi, j'étais pas là. En gros, moi, là, j'ai grave le seum. Parce que j'ai raté deux trucs. J'ai raté hier soir, vers 1h, 2h, ils ont lavé les maras. Et j'ai raté cet après-midi. Quoi, mais je vends la mettre à 73. Mais c'est quoi ce bordel? Je vends de la weed, nique sa mère. Oui, d'accord, elle est vraiment buggée la zone. On va aller vendre la zone tant qu'on parle. Hein. Et en gros, j'ai raté hier soir. Oh non, là, elle est verte. Pourquoi elle est redevenue verte, wesh? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tant pis. Ouais, en vite fait, c'est là ce qui m'a fait ça en rapide. Pas Et en gros, du coup, j'ai le droit de vous montrer des POV, j'ai le droit de vous montrer des POV GF en mode compil YouTube, mais j'ai le droit de vous montrer ce que j'ai pas, ce qui était, ce que vous avez raté en gros. J'ai demandé, on m'a dit j'ai le droit, donc tant qu'il n'y a pas de musique ou de compil, je sais pas quoi, tant que c'est pour vous montrer ce qui s'est passé, de ce que j'ai compris, j'ai le droit. Donc je pourrais vous montrer ça après pendant qu'on vend. Bref, il y avait un truc. Et du coup, ouais, il y a eu. En gros, de ce que vous avez raté vraiment, hier, ils ont voulu taper les maras. Ils étaient une dizaine, on était une dizaine. Je me semble, si je dis pas de conneries, que ça a fini en 11-3. 11-3 pour nous. Et cet après-midi, bah, attends, il y avait le stream de sec, donc je pense que vous avez vu. Mais en gros, ils ont voulu taper sur la vente. Il y a un gars chez moi, il a couru. Il était pas bloqué, donc en soi, c'est pas un no-fear. J'ai vu la scène. Parce que s'il avait fait un no-fear, je lui aurais mis un coup de pied au cul, mais il a pas no-fear. En soi, il était pas bloqué. Le problème, c'est qu'en fait, ce qu'il savait pas, c'est que bah, avec Mara, à partir du moment où tu lèves pas les mains ensemble, ça rafale sans poser de questions. Ils ont pas le temps. Donc ça rafale. Et comme en gros ils étaient pas beaucoup, parce que là cet après-midi on était pas beaucoup, et ça commence à m'énerver aussi, mais bref, comme on était pas beaucoup cet après-midi, ils étaient je crois 8 ou 9, grand max, hein. 8 ou 9 et c'était en train d'arriver, bah les marins ils étaient 15, les ballas c'était 18, d'ailleurs les ballas, bah force à eux c'est la guerre, hein, parce que les ballas ils ont recruté 10 joueurs et maintenant ils vont vendre Barrio Playa. Donc ils ont plié le genou un jour. Ah c'est leur choix, hein. Mais c'est pas vraiment la meilleure strat je pense. Enfin bref. Il y a des nouveaux ouais, il y a les nouveaux de la dernière fois qu'on est 20. Donc bah, je cut à 21h pour le match. Ce soir j'irai sûrement jouer, mais je suis même pas sûr de ça, mais j'irai sûrement jouer. Mais je serai en off-stream et je relance demain après. Demain soir. Donc ce soir c'est la guerre, mais je lancerai pas ce soir les gars. Parce que sinon je vais lancer de 22h, de 22h30 à minuit, j'ai la flemme. Et puis voilà, vous connaissez, je dis pas que les gens stream hack, mais t'as capté quoi. Donc je fais un petit. Oui ça merde. Ça va venir me taper, hein, mais je m'en bats les couilles. C'est quoi taper moi? Je vous pisse au cul. Donc, ouais, je vais vendre tout seul. Ouais, je vais me faire flinguer la gueule. Oh, 79. Ouais, je vais me mettre bien. Et du coup, ouais, je vais vous montrer. Bah, cet après-midi, il n'y a pas eu de. En fait, pour moi, cet après-midi, c'était même pas un GF. C'était plus une exécution. Parce qu'en gros, ils avaient les poses de base. Ils se sont fait rafale leur mère. Et en plus de ça, et ces trous de balles, ils avaient de la mettre. Les petits ont pris de la mettre, wesh. Du coup, en vrai, on n'a pas perdu beaucoup. Heureusement, ça aurait pu être en vrai, cet après-midi, on aurait pu prendre trop cher. On a eu de la chance de baiser. Je sais pas pourquoi, mais on a eu de la chance parce qu'on n'a pas pris trop cher. Mais on avait. On était, en fait, ils ont fait de l'air parce qu'ils ont pris. Ils savaient qu'ils étaient pas beaucoup. Ils savaient que les balas et les marais étaient massifs et ils ont pris de la mettre. Du coup, ils ont perdu de la mettre, ça fait chier. Mais en vrai, ça va. En vrai, j'ai failli péter mon crâne, mais en fait, j'ai vu. En fait, on n'a pas perdu tant que ça, donc ça va en vrai. Y a rien. Juste ça fait chier, peut-être faut juste qu'on botte des culs parce que l'après-midi en fait faut être 15 quoi, vu que là ils ont recruté, ça a vraiment recruté tous les gangs. Là ça va être vraiment intéressant parce que ça soit Ballas, Mara ou que ça soit Ballas, Mara ou Vago, ça a vraiment recruté en termes de slot. Donc il y a du beau monde qui a du beau monde.
Du coup, c'est la guerre balasse, vu qu'ils ont été revendre Barrio Play alors que. Bref, on les a vus en RP, ces idiots là. Bon, en vrai, je sais pas s'ils ont récupéré des armes, mais même s'ils en ont récupéré, je suis vraiment pas sûr que c'était le bon plan. Du coup, guerre balasse. Mara sur la. Mara, c'est une guerre bizarre en fait. Famille, c'est en cours. Famille, c'est en cours. Je crois que ça a été repris, mais je suis pas sûr. Il me semble que c'est en cours. Et voilà, hein, c'est tout. Si vous avez des questions, vous me dites, mais. Du coup, ça va les giflards, les. Ça va les giflards, hein. Je pense pas qu'on perdra contre la Suisse, hein. Ça paraît peu probable. Bon, je vous le dis, hein, je vends la ZUP parce que j'ai envie de vendre et que j'avais envie de jouer un petit peu. À tout moment, je me fais défoncer. Enfin, défoncer, non, parce que comme je suis réfé, je me ferai jamais taper dessus. Mais je me fais péter comme Never. Putain, je vends tellement bien, vous vous rendez compte qu'ils ont vendu genre 86 pochons. Et je vends ma weed banale. La weed, c'est trop fort. Vraiment, la weed. Et la weed, on a. En plus, c'est pas ils m'ont énervé cet après-midi. Parce qu'en fait, ils vendent de la meth alors qu'on a 4 tonnes de weed, wesh. On a 4 tonnes de weed, on a que ça de la weed, on en a mais à foison du cul. Et ils me vendent de la meth, ces idiots. Oh bref, bah écoute. Oh calme, c'est pas très grave. C'est la vie comme on dit. On va se mettre prêt à partir hein, parce que tu connais. Puis j'ai pris une voiture à la Zeb. Pareil, on n'a pas de voiture, je sais où elles sont. Je les ai rendus. Quand ils ont fait le GF, moi je suis arrivé après, j'ai récupéré les corps et les voitures. Enfin, celles que je pouvais. Et il n'y a plus de voitures. Je sais pas où elles sont passées. Balek en vrai, oui, enfin, ça. Attends, moi je m'en fous. Moi je suis heureux. Tu sais, moi je suis heureux contre un mur. Hein. La vie d'homme que contre un mur, je suis content. Hein. Je peux parler. Ça me va bien. En plus, les gens, bizarrement, quand ils chopent, ils ont de la boca. T'as vu, ils ont des trucs à te dire. Bizarrement, quand tu les chopes, ils font la gueule. Donc en vrai de vrai, moi ça me dérange pas de vraiment me faire taper. Ça me dérange pas. Qu'ils viennent, les balasses. Vu ce qu'on leur a mis, tant mieux s'ils me pètent, ça va équilibrer un peu. Mais ouais. J'ai pas mis ma radio, j'ai abusé par contre. Quand même la mettre. Le mal fait bien. J'ai fait. Ouais, Radamel, tu m'as appelé. Ouais, non, c'était tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'était pour la coque, j'ai cru que t'étais là. Non, non, je me suis reposé un petit peu parce que je pétais mon crâne, tu connais. Non, tranquille, tranquille. Bah, au final, on l'a pas fait, hein, mais en gros, c'est Aguiar, le bras droit. Ouais. Il m'a dit, en gros, si on voulait 500, bah, il pouvait nous faire 500. Tu fais quoi là? Bah, rien, là, je vais vers le tacos depuis quelques minutes, là. On a vendu. Ouais, grave des clients. Bah, en fait, à chaque fois qu'ils passent, je les attire avec la fusée éclairante. Tu les attires. C'est quoi, c'est des mouches? Ouais, et en plus ils viennent, c'est ça le pire. Ça marche. Et là j'ai mangé tous les jus de carotte déjà là. T'es trop fort Radamel, what the fuck. Ouais. Et on a vend... en même temps on vendait devant le tacos. Ouais, bah moi je vends aussi mes banques, je vends des petits pochons à la gueule, je m'en bats les couilles. Donc à tout moment je suis bah, dans... nous on a et vendu sandwich là. Du coup faut aller. Ouais, je suis là. Du coup faut baiser les balas hein, ce soir. Ah, t'étais pas là ce soir toi. Peut-être, vas-y, je vais voir en vrai. Soir, je suis pas trop fatigué. On les enquête, les balas, ils ont vendu mal. Tout à l'heure, au LTD, là, ils ont dit quoi? Enfin, on a parlé avec un en mode tranquille, tu vois. Il ouais. a dit, ouais, on a refait notre équipe, je sais pas quoi. Ils sont trop pressés, ils sont beaucoup trop pressés. Ouais, ils sont je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, bah, on verra ce soir et tranquille, tu vois. Il m'a dit, vas-y, on verra ce soir. Bah, c'est tout, après, tu vois, c'était chill, il y avait pas de. Ouais, tant mieux. Il y avait pas de haine et tout, en mode normal. Ok, vas-y, vas-y bon, bon, si on court, vas-y. Ciao. Vas-y. Je vois pas pourquoi il fatigue Malphite en vrai. Malphite, le petit radin, mais tout le temps il fait du RP, frère, il s'en bat les couilles. Il est chill, il est marrant. Ah, les orgas, gros. Vous savez que là j'ai vu, il y a encore plein de. Eh ben, je suis mort. Ah non, je suis pas mort. C'est qui eux? J'étais mort, c'est même pas pour moi, je suis mort. Je pense qu'il est venu voir qui c'est qui vendait au passage. Je vais décale, on va à l'aéroport. Ah ok. Je croyais premier degré de casser les couilles. Hop, pas de porte, comme ça je remonte plus vite. Voilà. Ouais les orgas, y'a plus d'orgas wesh, c'est un délire.
Non mais ce soir tout le monde regarde le match, mon petit pote. Personne sera à quoi 21h hein. Donc là je vais sans avoir de. Je suis vraiment con hein. Personne va regarder gros. Oui tout le monde va se quoi après match. Mais c'est ce qu'ils nous ont fait hier ces enfoirés de Mara là. En gros on était là, vous avez vu, j'étais en stream hier, vous avez bien vu. J'ai cut après la terre. Et moi en gros comme je devais me lever tôt, je suis parti me coucher. Ils sont venus, ils ont pris une dose de Mara après chez nous là. Ils ont pris une petite dose. Et là ils ont voulu se venger cet après-midi. Et ils nous ont bien battu. Non non on était pas 19, on était clairement pas 19. Ma bite. Ça c'est toi viewer matrixé que tu es qui pense qu'on est 19, on était clairement pas 19. Hein. Ils étaient une dizaine hein, gros, elle. Moitié elle dormait frère. T'es un ouf. Mais RP Orga, ça, je suis un joueur Orga de base moi, hein. Faut savoir. Hein. Je pense que j'ai plus une manière de parler, une manière de gérer qui est Orga Player. C'est juste que bah, pour faire Orga Player, j'ai un jeu contre des mecs qui font de l'Orga. Mais les Orga actuellement, c'est des gangs, hein, les gars. Et Malfit, je m'en bats les couilles de tes capas, pleure. Et en vrai, tu te fais chier. Au moins, un gang, c'est pour ça que moi, gang, je trouve c'est très bien. Hop là. Donc voilà. Après, comme j'ai dit, cet après-midi, ils nous ont. Et c'est pas. Cet après-midi, pour moi, c'est même pas un gunfighter. Ils ont exécuté les petits. Dis-toi, il y en avait. En gros, ils ont tiré tellement vite quand le mec il a pas levé les mains là, quand le mec il a couru. Quoi ? Qu'il y avait des. Merci Rakna pour les 6 mois, mon frère. Que en gros, ils étaient même pas. Ils avaient même pas encore. Ils étaient en train de faire l'animation quand ils se sont fait rafale leur mère, frère. Ils ont même pas eu le temps. Ils se sont fait détruire. C'était une exécution le délire. Et du coup, je sais pas combien de guns on a pas vu. En vrai, je crois 4 ou 5, je sais pas. Oh, c'est pas un scandale, mais bon. Ah, il tire vite, c'est vrai qu'il tire vite. Après, bon. Ça fait partie du jeu, hein. On s'adapte, mais bon. On fait pareil maintenant. Hein. Maintenant, s'ils vont pas lever les mains, bah, je vais call de rafale. Je trouve ça que c'est un peu nul, mais bon. Au moins, l'avantage, tu vois, c'est qu'il n'y a pas de smash RP. Il n'y a pas de délire bizarre en mode genre sum, t'as vu. On s'en bat les couilles. C'est vrai, ça, bah, tu t'es bien placé pour parler, toi. Ouais, t'as clairement profité leur gars. Ouais, de base, ouais. Mais. Et du coup, ouais, ils nous ont exécuté cet après-midi. Donc, on va aller les faire chier sûrement ce soir ou je ne sais quand. Arrête, les maras, c'est un peu genre. C'est un peu nos meufs refoulées, t'as vu. On se tire dessus, mais on rigole, genre. C'est grave bizarre. Et après, du coup, bah là, faut qu'on ait les giflés, par contre. Faut qu'on ait les giflés, les mbalas. Parce que. Ils ont... En gros, il y a deux jours, ils étaient. les mbalas, ils me font trop rire, c'est des fous. Ouais. Il y a un mec qui a fait un appel pour. C'est moi. Le garage, il y a marqué Radamel. Et c'est tout. Hein. Ah ouais, c'est moi. Ah, je peux pas vous dire exactement ce que c'est. Mais je suis grave vif ces deux derniers matins là. Tiens. J'ai trouvé deux labos avec les petits là. Mama, on se met bien. Là, les bas, c'est une nouvelle équipe. Ah, mais de toute manière, que ce soit Mara, Balas, Vago, ça va être lourd, je pense. Parce que ça a été bien réparti. Et du coup, ça va se jouer au lead OP, au lead et à la motivation des joueurs, tu vois. Mais les équipes elles sont assez équilibrées, ça c'est cool. Bah les orgas c'est des gangs avec des Kevlar hein, gros, hein. Y a pas de, je sais pas. Ah, orgas c'est spécial là, je vois. Orgas c'est beaucoup de civils hein, gros. Orgas c'est extrêmement civil hein. Extrêmement civil. Hein. Non, je m'en fous, je vends là. C'est les balas encore. Les balas, faut les baiser, wesh. Oh, j'ai envie de lâcher des everyone dans mon Vagos chat là. Leur dire de bouger leur fiac de main. C'est un délire là. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'ils ont enculé la zone et je vends des pochons comme ça. Là, oui, c'est un délire. Vraiment, c'est trop bien. Orga, c'est pas tryhard de la manière parce qu'en fait, tu fais de la thune légale en fait. Après Orga avec les Kev tu peux faire vraiment la différence gros hein. Après le problème c'est que Orga normalement t'es censé avoir des revendications qui sont différentes tu vois. Quand t'es Orga tu vas pas aller revendiquer une zone comme un gang. En fait quand t'es Orga déjà un gangster par définition est moins stratégique et moins malin qu'une Orga tu vois. Je sais pas comment t'expliquer ça. En gros une Orga elle s'en bat les couilles qu'il y ait des mecs qui vont dans la rue, c'est pas son dos en fait.
Normalement, elle est censée missionner des gens pour niquer des mères. Ouais, c'est bon. GTA Live, ça a toujours été très routine-like. Hein. C'est vrai qu'il faut que je mette en place l'événement là. Le problème, c'est que bon, mettre en place l'événement. En fait, ce qui me fait chier, c'est que moi, mon événement, ça s'arrêtait. Je le kifferais le faire en tant qu'orga, pas en tant que gang. C'est bizarre en tant que vagos d'inviter des balas et des maras. Hein. Surtout des vieux maras de merde qu'on s'embrouille avec eux tout le temps, wesh. Tout le temps, on se met sur la gueule, frère. Tout le temps, on se tire dessus avec eux. Après, je les appelle, ouais. Après, je les appelle, je leur dis, venez, on va jouer ensemble. C'est grave chelou, wesh. Mais bon. Après, j'ai chaud comme ça, attends. Enfin bon, après, bon, bah les couilles en vrai. Si je laisse, si je veux, je la mets, mais... Enfin, j'ai chaud de baiser mental, attends. J'ai de la weed encore, ouais. Donc voilà, on va pas se mentir. Hein. Moi, si je me fais taper force à moi, je vais mettre la clim, c'est trop chaud. Oh, on est 75 ans, je veux dire, oui. Hop, yep. Ça replace vêtements. Bah oui, tu vois bien que le maillot. Non, j'étais sur aucun des deux GF, moi. J'ai le seum, j'ai raté les deux GF. Ah oui, je peux vous montrer, j'ai le droit de vous montrer les trucs, je vais vous montrer en vitesse. Je pourrais vous montrer. Je peux vous montrer ce qu'ils ont. Je peux vous montrer hier les maras si vous voulez, vite fait. Je dois avoir 2-3 POV. J'ai pas les 11 kills, mais je dois en avoir la moitié, je pense. Ouais, c'est le T-Max dehors, j'en peux plus, wesh. Ouais, hier, ouais. La weed, c'est un délire. Et bah comme je vous dis, c'est vrai, il n'y a pas de POV. C'est vrai, si vous voulez des POV, on voit des mecs se faire rafaler à vue, se faire défoncer leur mère. Ils se sont fait détruire, wesh. Ouais, je vous montrerai le moins sec de Juan si vous voulez. Juan, vraiment, lui, c'est soit il fait des trucs bien, soit il fait des trucs de merde. Dites-vous, il avait 20 de mètres sur lui quand il s'est fait péter. 20 de mecs, 20 de mètres, 20 de... J'arrive même plus à parler. Il avait 20 de mètres, ce fou. Il a eu de la chance le fait qu'il ait été tranquille, wesh. Parce que 20 de mètres, mon pote. Oh, oh là, tu tombes sur un fils de pute, comment t'es fini? Tu joues pas pendant 4 jours. Vous avez win hier. Ouais. Je dis, c'est même pas une histoire. Tu sais que c'est vraiment les gunfights, c'est un truc genre tu. C'est toujours un truc genre. Je sais pas comment t'expliquer, mais. Les marais ils ont fait de la D, ils se sont donnés, tu vois. Comme nous, cet après-midi. Enfin, je veux dire, c'est plus souvent. C'est quand. Je sais pas comment expliquer. Genre, c'est pas une question de nous perdre en vrai. Parce que déjà, un gunfight, tu le perds pas vraiment. Parce que ce qui compte en fait, ce qui compte normalement, et c'est ça le problème, c'est que quand tu fais un gunfight, c'est pour une bonne raison, tu vois. Et ce qui compte, c'est est-ce que t'as réussi à avoir raison. Quand tu fais des gunfights comme ça. T'as pas de raison ou de pas raison, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, en fait, que tu gagnes ou tu perdes, ça change rien du tout. Ils étaient le même monde que nous hier, hein. Je crois. Hein. J'étais pas là, donc j'en sais rien. Je sais que nous, on était. Je crois qu'on était 10-12, je crois. Mais ils étaient pas si massifs hier. Hein. C'est juste que, en gros, les maras, ils se sont donnés, de ce que j'ai compris. En gros, les maras, ils sont arrivés un par un. Et du coup, bah, ils se sont fait baiser, c'est normal, c'est logique. Mais je suis pas sûr. Puis comme je vous ai dit, en réalité, on s'en fout un peu. Hein. Je veux dire, c'est à charge de revanche, hein. Ils prennent une dose un lundi, on va leur mettre une dose un mardi et puis mercredi il y aura la belle, hein, tu connais, on va de vrai. C'est pas trop... Ce qui est important c'est que ça soit fait, tu vois, genre clean. Tant que c'est clean et qu'il n'y a pas de seum derrière, c'est le plus important. Hein. Yeah,
À l'aéroport, j'ai. Non, c'est bon. Tu mets bien en vrai. Hein. Il y a un rematch tous les jours, ouais, en gros, c'est ça. En fait, Mara, depuis le début, on s'embrouille avec eux. Hein, donc Mara, c'est toujours pareil. Mara, on se tape quand on se voit, on se tape dessus quand on se voit. Et voilà, hein, et puis on s'embrouille. Mais y a rien avec les Mara. En fait, les Mara, c'est plus de la rivalité que de la guerre, hein, actuellement, je trouve. Carrément, c'est même plus significatif. Ouais, c'est bien le problème. Ouais, c'est bien le problème. C'est ça qui fait qu'il y a un petit problème actuellement. Ça devrait être un peu plus significatif, un gunfight. Ça ne l'est plus. C'est bien le problème. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, Balas. Parce que Balas, on leur a laissé une chance de se. Bah oui, parce que les boys, ils sont cons. Après, j'avoue, ça se trouve, je mens. Hein. Ça se trouve, ils ont eu le temps de monter une équipe en 2 jours, elle est incroyable. Ils ont full arme, full argent et ils vont nous baiser nos mères, tu vois. Mais j'ai du mal à y croire. Parce que bah ça existe pas en fait. Tu peux pas, genre, du jour au lendemain avoir une équipe et du jour au lendemain avoir de. Tu captes? Maintenant, ça se trouve, je mens et ils vont nous baiser ce soir. Hein. Oui, ils ont une équipe. Mais avoir une équipe sur papier. C'est pas genre. Tu peux avoir des bons joueurs sur papier, mais ça demande du temps de recruter, que ça se mette en place, tu vois ce que je veux dire ou pas? Qu'ils apprennent à se connaître en viteuf. Pareil, faut que l'élite y soit en place, je sais pas ce que ça vaut. Et après derrière, il faut avoir des armes et de l'argent. En fait, si vous pensez qu'une guerre, ça se limite à juste faire pan-pan et terminer, bah force à vous, hein. C'est bien plus compliqué que ça, hein. Derrière, il y a une logistique, hein. En gros, ça veut dire demain, c'est-à-dire que là, les ballasts, imaginons, hein, ils font un gunfight avec nous, ils se foirent. Ils perdent des armes, est-ce qu'ils ont de quoi les racheter ces armes? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dieu de merde. Oui, d'accord, mais moi aussi j'ai récupéré 2-3 Albanais, enfin bref. Comme je t'ai dit, encore une fois, à voir. Comme j'ai dit, moi, j'en sais rien. On verra bien. Je sais pas, on verra bien. Je connais pas trop, moi, je connais rien. T'sais. Sauf que je mens, ils vont arriver, ils vont nous gifler direct, hein, qui sait. À voir. J'attends de voir. On verra bien, il y a main, tu sais. Il y a qui en ballasse? Oui, mais c'est pas parce qu'ils ont. Il y a plein de mecs qui ont déjà joué en chambre partout. Mais c'est pas aussi simple en fait. Arrête, tant mieux si ça marche pour eux, hein, je leur souhaite. Hein. Ça fait de la conclusion, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Vous êtes en day off ce soir. Bah, il y a le match à 21h donc il n'y aura personne. Et après, on va sûrement aller se connecter vers 23h mais sans stream. En fait, je crois que vous comprenez pas que ça n'a absolument rien à voir. Le fait d'avoir des cracks. Tu sais, des cracks, c'est quoi? C'est des mecs qui savent tirer. Mais ça marche pas comme ça, les gars. Hein. C'est pas parce que tu sais. Je dis pas qu'ils sont mauvais, attention. Hein. C'est pas que je parle en général, je parle même pas des ballasts là. Mais une équipe, ça se monte pas juste avec des mecs qui savent tirer droit. Hein. C'est pas aussi simple que ça. Hein. Faut de l'argent pour assumer, faut des armes. Bref, faut un labo qui tourne bien. Enfin, c'est pas juste. T'as capté quoi. Mais tu. En fait, genre, j'ai l'impression que vous comprenez pas comment ça fonctionne. Genre. Tu crois à enfin. D'ailleurs, genre, tu win un GF, c'est bien, mais c'est rare de mettre des 20-0. Hein. Voilà, exactement, Anno, ceci. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça aussi. Bref. Aucune idée, Genox, je te cache pas. Comme moi qui vais répondre à ce genre de questions. Aucune idée, mon frère.
Ben voilà, ma petite répond. Ouais, mais ils sont pas massifs. Le problème, c'est qu'à Nonos, la plupart des gens sont comme ça, mon pote. La plupart des gens, ils arrivent à maintenir, ils veulent tirer. C'est pour ça que c'est compliqué. Pour ça c'est compliqué. Tac. Hop et hop. Tac. Qu'est-ce qu'il me veut ici? Si, si. Qu'est-ce qu'il me veut papy? Hop là. Calme Ray, nous on fait ta vie, t'inquiète, moi je m'en fous, je fais chill là. C'était vraiment histoire de me poser en stream le temps que le temps du match, etc. Et voir un truc ou deux et puis voilà. Je vais en chill, donc t'inquiète. C'est de la weed en plus, donc bah les couilles. Oula. Oui, je vais les montrer après les pauvres. Tu sais quoi, je fais ça là et. Je vous montre vite fait ce qu'il y a, si vous voulez. Fini les 5 pochons. Je vais faire une supérette après, comme ça j'aurai fait ma supérette aussi. J'espère que j'ai au moins un véhicule. Ça dépend à Nenos, faut juste être vif avec les flics. C'est pas du GF pur et dur, faut juste savoir faire des plans pneus, c'est tout. Plans pneus et plans blocage. Ouais, bon, nique ta mère là, mais moi en point de vente, non? Non, les BSE sont pas autorisés, mais j'ai demandé les POV que j'avais, que j'ai pas pu montrer parce que j'étais en stream. Ce que vous avez pas vu en stream, en gros, j'ai le droit de vous le montrer, tu vois. À partir du moment où c'est pas sous forme de compile et que c'est pas genre en mode avec une musique dessus, on va te regarder, il tire avec des noms et tout, tu vois. Juste si c'est une POV, c'est bon. Ouais, merci pour le pack, merci à la skis en vrai, parce que. Bon, ils me font quoi les clients là? J'ai pas de clients, ça me casse les couilles. C'est ça, pas d'apologie du GF. Bah, enfin de quoi, Noah, tu sais que c'est pas normal de devoir. C'est pas normal d'interdire des best-of, gros. Hein, en soi. C'est pas la plateforme, on a le droit normalement, tu vois, tu as le droit de regarder ce que tu peux regarder, t'as regardé ce que t'as envie normalement, enfin. Je sais pas. Après, je suis d'accord, si c'est des best-of trash, je veux bien, tu vois. Mais les petits best-of chill où ça fait des blagues et tout, je vois pas en quoi. Voilà, c'est ça, les best-of tu peux faire, mais tu peux faire des best-of GF en fait. Oh, je prendrai que les POV, y'a rien, Rainou. Je prends les POV, y'a rien, nada. Comme ça évite. Pas de musique, hein. Comme ça je me fais pas taper sur les doigts. Et basta. Moi, si tu n'en as, tu sais, t'as pas besoin des BSAF pour que ça soit ça. Les gens sont fous de base, hein, je t'assure. Hein. Je veux bon, après là, je suis en stream donc je parle pas de tout, mais il y en a, c'est des malades mentaux, gros. Il y en a, ils pètent leur crâne pour rien, frère. Il y en a, ils pètent leur crâne pour rien. Tu te dis des fois, hein. C'est normal, tu vois, quand tu t'investis, mais moi, t'as, je t'ai énervé, mais de là à m'énerver et avoir la haine, genre, hein. Jamais j'aurai la haine sur quelqu'un parce que j'ai perdu de la weed, quoi. Il y en a, si. Pourquoi lui? Ça c'est incroyable la weed, je commence à se vendre bien, dommage. C'est bizarre que personne vienne m'emmerder aussi. Bah, ce qui est intéressant avec la weed, c'est que tu peux revendre par-dessus les autres en fait. Ouais, ceux qui sont chill, j'avoue, c'est chiant, mais bon, si je te dis. Je vais vous montrer vite fait les POV, puis je vais retourner vendre un petit peu. Il est 19h40, ça passe vite, ouais, what the fuck. Faut en avoir à des habitants pour leur vendre de la weed, hein. On en a, mais.
Ça aussi, je commence à en avoir marre. Genre, j'ai rien tapé. Genre, j'ai fait des vols planés, mais y a rien. Genre. C'est assez chiant. Golden, il a 8 tonnes. Oui, oui, d'accord, mais avec Golden tout seul, on va prendre 8 tonnes de weed, les mecs. Hein. Malgré toute sa bonne motivation, bien sûr. Je fais de la merde là, qu'est-ce que je fais? Le gap bien. Ça te dit quoi le match de la le match de foot là? Tac. Je vais vous montrer POV en vitesse, j'y le ferai. C'est où? Tac, c'est là. Tac, tac. En gros, les maras, ces grands fous là, ils sont venus par les, ils sont venus par les canaux ici, et ils ont fait 2-3, mais what the fuck? Ouais. Et du coup, ils sont venus un peu comme les balas la dernière fois, tu vois, si vous vous souvenez. Bref, des grands fous. Ok, ça, je vais vous remettre, comme ça vous voyez. Ok, à moi. Donc ça c'est Good Cat. Là, vous savez. Parce qu'on est en train de faire tourner le labo. Et ils ont voulu cut ici. Non, non, ils sont pas venus chez nous pour GF, pas déconner non plus. Ils sont pas encore fous à ce point là. Enfin, lui il est tombé fort. Hein. Il est bon coup de cut aussi, touche bien. Mais ils veulent pas nous le donner, ils veulent pas le changer frère. On attend qu'il soit démantelé, ça fait 8 ans frère, je te dis quoi. Donc là on sait qu'ils sont conteneurs, enfin on sait, moi j'étais pas là mais ils ont dit conteneurs. Lui il est même pas en bleu wesh. Il est même pas en bleu le Mara wesh, comment tu veux le toucher? Au revoir monsieur. Je crois qu'il y en a un dernier après. Je crois qu'il fait un moins 3 à Good Cat il me semble. Je suis pas sûr. Donc là il y a une coachée de Mara qui se barre. Il devait être vachement lourd. Ah. Hop, il tombe Guapo avant de tomber. Voilà. Ça, c'est la POV Good Cat, du coup. Il y a ça. Là, il y a la POV de Guapo. C'est trop de balles. Si vous voulez. Il a fait qu'un moins 1, Guapo. C'est pas fou. Bah, il a gagné son 1v1, quoi. Oui, sur ce gunfight-là, on a win, mais c'est... Ils se sont donné les maras, c'était même pas. Il y avait rien de. Bref. Mais vous le voyez, moi je le vois même pas d'ici. Enfin, je sais pas comment il fait pour. Vraiment, je sais même pas comment il fait pour toucher. Vous le voyez, vous, sur la POV, frère, sans déconner. Vous voyez un mara là? Ah, si, je suis moi qui suis bourré en fait, si. On voit un mara, si. Putain, il l'a touché alors qu'il était même pas dessus, wesh. C'est moi, je suis bourré. Donc, le pack graphique, comme j'ai dit, c'est fait par la skis et j'ai pas les trucs. De toute manière, si je l'avais, je n'ai pas linkable. Je crois que c'est tout ce que j'ai comme POV. Du coup, attendez, je vais essayer de trouver. Il y en a une de POV, mais je peux pas vous la montrer parce qu'il y a de la musique et je veux respecter ce qu'on m'a demandé de respecter. Mais en gros,
c'est Adan, c'est Nova, il fait un moins 2, il couche Shoti et il couche, je crois, je sais plus qui c'est qu'il couche. Je crois qu'il couche Shoti et je ne sais qui. Ah, je sais pas si c'est Shoti, mais. Bref. Là, je suis con, j'ai qu'à la couper la musique, je suis pas très malin. J'avoue, je suis débile. Ouais. J'avoue, je suis très con. Donc en gros, c'était un fake bin en fait qu'ils avaient fait. Je crois que c'est Shoti qui tombe, mais je suis pas sûr. Je vous jure, avec les replays, c'est impossible de savoir qui est qui, c'est un scandale. Il y a SAU cette merde. Et c'est TP, wesh. Attends, quoi? J'ai même pas vu. Bon, d'accord, il s'est TP ce fou. Wesh. Wesh. C'est Benito, ça, d'accord, ce bourré là. Au revoir, Benito. Non, c'était ouf, les Mara. Ils ont la dalle, tu connais. Et ouais, je crois que c'est tout. Il a fait qu'un mois. Ok. Après, il est pas bien là. Il lui reste plus beaucoup d'HP. C'est tout. Je sais pas si c'est tout ce qu'il fait. Je vois. Ah, je crois qu'il y en a un moins 2 à la fin. Je suis pas sûr. Je sais même pas. Attendez. Il a plus de balles après. Voilà, ça c'est pour le kill du petit. C'est Nova, il me semble. Y a quoi d'autre? Ah, le plus de balles, il fait mal. Hein. Ah, si j'ai une PV, elle est incroyable. Regardez. C'est vraiment la meilleure PV. Enfin, Simba, elle a fait un carnage. Il est trop fort, Simba. Vraiment, il a fait un carnage de fou. J'ai oublié le plus important. Vraiment, Simba, le meilleur. Vraiment, Simba, incroyable. Je ne vous ai pas montré. Voilà. Voilà. Une POV incroyable. Sous la map. Voilà. Non, mais en gros là il était avec une autre config qui s'était connecté, je crois, justement pour ça. Que du coup c'était, il a peu le temps de changer sa config, donc ça l'a fait bugger, du coup, d'où le fait qu'il passe sur la map. Est-ce que je peux vous montrer ça? Attends, je vais vous montrer le tech si vous voulez. Je peux vous montrer le tech du petit Juan, du petit Juanito. D'ailleurs, Juan il boudait hier parce qu'il a pas fait de kill. Non, je peux pas, justement, je mets pas ça. Je mets pas, justement, on pourrait. Pour éviter tout drama et tout, je mets que les POV qu'ils ont pas vu. Ça, j'ai demandé à ce qui paraît, j'ai le droit. Donc je peux montrer que ça. Juan, c'est Roca. Regardez, petit Roca, comme il était heureux ce jour-là. Vous avez raté ça. Et vous avez pas tout vu parce qu'il a cut pour pas avoir tout parce que c'est très long. Polo, il se fait car qu'il pète son crâne. Il a fait un parcours du combattant, Roca. Hein. Sachez-le, hein, il s'est cassé le cul. Moins 1. Il s'est cassé le crâne, Roca, les deux. Les balles, il a besoin de les trouver dans les coffres. Il a fait tous les coffres de toutes les voitures, frère. Regardez, il lui reste plus que 8 balles. Regardez en haut. Hein. Il avait 8 balles. Hein. Il lui reste qu'une seule. Hein. Après, il est parti voler une voiture. Elle est belle, la demi, wesh. Il a volé des balles dans la demi. Il a plus que 7 balles. Moins 3. Là, c'est Walid. Au revoir, Walid. Moins 4. Et là, le dernier, c'est j'étais en train de le jouer. Il arrive. Moins 5. Il a passé sa vie à courir derrière les voitures pour récupérer des balles, gros. Le tech avec la nouvelle règle des balles, c'est insupportable. Ah, crois pas, le tech avec les nouvelles balles, frère, c'est un scandale, hein. C'est trop chiant, wesh. C'est vraiment trop chiant, tu passes ta vie à courir derrière des... Bref, t'as capté. Ah, il y a d'autres petites POV comme ça, mais bon, flemme de tout vous montrer dans le sens où j'ai pas vu ce qu'il y avait, mais voilà. Hop, tac. Bah, hier j'étais pas là, donc POV, je vais pas vous montrer grand chose malheureusement. Même si j'aurais bien voulu.
Je vais aller faire ma supérette en vitesse, comme ça c'est fait. C'est qui Paolo HRP? HRP c'est Azu. Roca Azu c'est mes deux TNNT et c'est Paolo et Juan. Qui sont là depuis le début. Deux petits trous de balles, mais heureusement qu'ils sont là. Faut juste en fait qu'ils mettent plus de coups de pied au cul, tu vois. Parce que c'est des mecs, c'est des très 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 bons soldats, c'est des très très bons joueurs sur le terrain. Mais il faut qu'ils se musclent un petit peu, tu vois. Après, c'est pas forcément marrant de le faire, mais il faut qu'ils mettent des coups de pied au cul. C'est juste ça qui leur manque. S'ils ont ça, c'est vraiment des bons joueurs. Donc en fait, moi je pars à 1-1 avec des matchs dégueulasses et quand je reviens, il y a des 3-3, c'est ça en fait. Donc en fait, c'est moi je porte l'œil au match, quoi, c'est ça. Je suis dégoûté, wesh. Oh, le but de Pazelic à la 90e, incroyable. Putain, mais les Croates, c'est des fous, hein. Je suis un chat noir, c'est un délire. Mais regarde, dites-vous, hein, je me suis dit, je vais regarder le match parce que j'aime bien envie de regarder Croatie-Espagne. Je regarde le match, je vois, ça met des buts contre leur camp, nanana, je sais pas à quoi, frère. Je m'en vais, je vois, il y a 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, wesh. C'est quel bail. C'est la première fois au gradé. Je sais pas. Je sais même pas, frère. Je vais te mentir, je crois. Mais elle est où la Glendale, wesh? Attends, je vais aller voir. C'est quoi ce bordel du cul? Alors. Ma. Primo, Moonbin, Primo, Glendal. Ok, ils sont là. Bon, bah, c'est bizarre, je vais les chercher. Je jure la vie de ta mère, appuie sur F, ma gauche, et même pas, wesh. Bizarre. Je vais faire ma supérette et j'irai faire les foyers après quand il y aura un temps mort. Et du coup, j'ai les seums, j'aurais dû regarder le match, wesh. Ah, je suis abattu. Bon bah. En vrai, je crois que je vais regarder le match de la France, hein. Ce sera un beau match, je regarde pas. Hein. C'est grave. Elle est. Ok, elle est bien. Oh, y'a des balles. Oh, j'ai les nerfs. Ah, Znik, ça merde, j'y vais quand même. Julio, tu m'entends? Eh, Radamel, y a des fouillères à faire là, tu peux aller faire ou pas? Tu parles à moi, l'effet? Ouais, en gros, je vais les faire aussi, mais on ira après que je fais une supérette, on y va si tu veux. Parce qu'en gros, y a la Glendale, il y a deux primos, enfin bref, t'as capté. Glendale, elle est déjà dehors? Bah, pour qui ça me dit qu'elle est dans la fouillère? Ah, y a deux, en fait, c'est. Est-ce qu'il y a deux fourrières Los Santos Vagos? Ouais. Bah, ouais, bah, c'est pour ça. Et du coup, ça veut dire quoi? Du coup, bah, ça veut dire que. Une fourrière en gros c'est parce qu'il y a des véhicules qui sont dehors et une fourrière c'est les véhicules qui sont fourrières. Même moi je sais pas. C'est pour ça hier, tu sais, quand j'ai sorti la Glendale de la fourrière, bah en fait c'est parce qu'elle était dehors. Du coup bah il y avait deux Glendales. Et quand j'ai rentré les deux dans le garage, bah il n'y en avait plus qu'une. Waouh. Même moi je savais pas. C'est fou la vie. Mais par contre le problème c'est qu'il y a quand même des coachés qui sont dehors, il y en a plein dehors, je sais pas où ils sont. En tout cas nous on a la Glendale. Incroyable, ça crache direct, je suis un homme heureux. Donc, si tu regardes dans le garage et crash, que ça les rôde pas trop tard, ça le chien. Ouais. Ferme ta gueule. Eh, hey, Tullio. Eh, hey, donne-moi tout là. Eh, hey, je vais même pas casser chez toi, donne tout, vu que je te baisse ta mère. Quoi? Oh non, pas encore la dernière fois, s'il vous plaît. Oh, il y a déjà les sirènes, j'ai les nerfs. C'est toujours pareil.
Eh, venez tous les deux, je vous prends tous les deux sans aucun problème, sachez-le. Ah bah non, bah attends, prends. Voilà, j'ai fait le fou. Oh, le karma va être très rapide, hein, vous savez comment c'est. Tu fais le malin un jour et le lendemain tu pleures. Hein. Tu fais le malin, tombe dans le ravin. Putain, mais ce bug là, quand même, me rend fou. C'est déjà fini là ? Ça que tu me dis? On me dit pas c'est fini là quand même. Vraiment. Vraiment. Bon bah. Vraiment. Allez, fais. Dis-moi, dis-moi. Enfin, moi, je suis en train de faire de la terre avant de travailler au garage. Ok, ok. Je vais aller vite avec le pounder tout à l'heure. Ok, ça marche. Ok, bah, je sais pas quoi dire d'autre. Moi, je mets une zizou aux poyos là, qui sont pas très bons. Ah ouais, toi aussi. Moi, tout à l'heure, j'en ai mis deux. Bah, j'ai demandé qu'il ramène deux patrouilles parce que sinon, c'est pas drôle, il veut pas. Hein. Bah, nous, tout à l'heure, avec Toulou, on a fait nos supérettes. On a couru et l'autre fois il m'a pas vu. Parce qu'on a des amendes à payer là, avec ce qu'on fait cet après-midi, c'est trop de balles là. Et s'il te plaît, là, Radamoul, quand tu seras là, tu vas bientôt être actif là, tu sais, à partir de lundi là. Tu vas être là l'après, on est d'accord. Hein. Ah, et, bah. Et s'il te plaît, fais-moi plaisir. Si tu vois, il y en a, ils sont cons, dealer. Sans crier, dealer. Ouais, ok. Et c'est parce que ils m'ont fait quoi cet après-midi? Ils ont pris de la mette alors qu'ils étaient 7 ou 8 contre 15. Ils sont débiles là, une mère. C'est que nous on a vendu 100 grammes de weed hein, avec. Ouais, moi j'ai vendu dans la rue aussi. Au barrio. Nous on a vendu au barrio. Au tacos. Ouais. Ouais, oh, y'a personne qui a pris. La zone elle était toute neuve. En vrai, j'ai vendu de la mettre, c'est chaud, mais en plus à 8. C'est de voir si les madras ils en veulent aussi. Attends, je vais les appeler. Les balles sont du soir, ils sont massifs. Donc, il faut faire attention, j'ai peur. Après, bon, ils sont marrants les balles, mais il y a 3 jours, ils disaient on vous touche pas Barrio Playa, ils reviennent le lendemain. Ouais, parce qu'on a vu un balas LTD, Radamel s'est fait calmer par le gérant là. Comment ça? Radamel, la première chose qui est arrivée au LTD, il a dit que Jeff, fils de pute, en parlant du balas. Oh là. Le gérant, il a dit tes histoires, c'est pas ici, va les faire dehors. Tous les regards, tu fais de la terre où? Je pensais que je peux prendre la sabre pour une supérette ou pas? Moi je les ai. C'est chaud, sabre. Ouais, ouais, c'est chaud. On est d'accord. Ouais. Parce que je l'aurais mis. Mama. Primo, y'a rien du tout. Ah, Jimmy. Eh, tu penses si je fais un compte, mais je le mets pas en compte courant, est-ce que je prends les amendes ou pas? Oui. Okay. En fait, le courant, c'est juste pour payer les factures. Hein. Ah ouais. En gros, compte courant, c'est juste payer les factures, dis-toi. Et toi, t'as un compte, toi? Ouais, moi, obligé, moi. Parce que quand j'achète, enfin, quand je fais les custom. Je suis obligé d'avoir un coup de courant. C'est quand je les paye. Ok.
D'ailleurs, j'ai fait. Ouais, j'ai eu ma paye. Tu me donnes ça après? Ouais. Mais vu, RML. Mon boulot. Ah, ils m'ont fatigué cet après-midi. Après, c'est pas très grave, tu vois, on a pas peur. Au final, on est tombé sur. Et dis-toi, ils ont eu trop de chance. Hein. Des Poyos, ils ont été vraiment cool. Hein. Des 11 000 pour 20 bouchons de mètre, bon. Ça va. En vrai, ils ont été tranquillos. Hein. Ouais, je prends une bifalo pour faire la suite. Vas-y. Mais du coup, c'est qui s'est fait péter avec 20 mètres? C'est Ron, ce trou de balle. En fait, il a pas eu le temps de poser parce qu'il était, il voulait, tu sais, il était parti charger les coachés. Il était pas réveillé, mais parce qu'il se lève, il se lève, vas-y, bref, t'as capté. Il s'allume leur cerveau, c'est tout. Il se lève, il veut finir tiré. Eh ouais. Il la fume là de la vendre, ce fou. Là, on est trop bien postiché. Moi, je fais de la terre. Tout lieu, il gère le garage. Mais gros. Hier, j'ai voulu faire ça, mais j'étais trop KO. J'ai vu qu'il y avait trop de monde. Mais regarde, tout lieu, regarde. T'as vu comment je fais moi là? Tu mets ta tenue mécano, tu te mets en face du garage. Comme ça, là, tu sors les pounders. Et tu travailles. En faisant de la terre en même temps. Moi, j'ai pas le même truc que toi. C'est trop compliqué pour moi. Ouais, genre, ah ouais? Mais tu sais que là je suis parti pisser, je vais voir le pauvre, il me parlait pendant 30 minutes. Le pauvre est en train de pisser. Là il me voulait. Le pauvre il était là. Je bougeais pas, il me parlait. Ah là là. Combien de fois j'aurais tu pu. Les c'est un peu une humiliation, je te cache pas. Ah ok. Faut te rendre l'effet. Oh là là. Ouais. Ça va? Ouais ouais, ça va, ça va. Ça j'aurais dû. Ouais bah ouais, bah il faut faire l'appel de coacher aussi. Hein. Ah ouais non, il y a les nerfs, j'aurais grave les nerfs aussi. Se faire humilier comme ça, wesh. J'ai rien touché, wesh. Ah, ah non, c'est la musique. C'est les sirènes dans la musique, j'ai le seum. Je me suis fait bait. Y'en a un de vous qui a pas fait superette encore ou pas? Je vais faire la mine là, Chantal. Vas-y. Non, on l'a déjà fait. Vas-y. Il faut pas cracher ce fils de pute. T'as envie qu'il crache dessus, hein? Je l'ai humilié le poyo, j'ai grave le nerf, il était grave nul. Nous, les fêtes, on fait la gueule. Hein? Dis-moi seul. Nous, tu sais, on fait laquelle? Non, dis-moi. On fait de l'ancien pawn shop. Après, je m'amuse au golf. Au golf, je fais que des gauches-droites. À chaque fois, ils me perdent là-bas. J'en ai jamais un qui m'a rattrapé. Trop fort. 3-4 jours, on fait ça là-bas, moi et Tullio. Fait, hein, ça tous fait. Tous les deux. Si tout le monde ramenait un peu sa plata, ce serait bien. Vas-y, je suis où? T'es où, Radata? Mano. Quel mécano de l'autre 68. Je vais venir chercher la plata, j'arrive. Eder, non, j'ai pas de la plata de. Vas-y, bah, je vais venir, tu me donneras en même temps. Je vais prendre autre chose que la primo, parce que je l'aime bien la primo, mais elle roule pas quoi. J'ai pas de con, je m'en bats les couilles. Ce soir, devant le match, je vais taper ma tête contre le mur. J'aime pas trop faire ça comme ça. Yes, je te cache pas. Il faut qu'il ramène ce que tu sais. Bref, t'as capté. Hop. Hop. Hop.
Tac. Il a intérêt à s'attraper, ouais. Parce qu'il a fait de la merde, on va pas se mentir. Il y a combien là, 3-3 toujours? Toujours 3-3? Je sais pas, je peux regarder moi, mais en fait, je suis en ouf. Ça a l'air d'être sympa comme match. Ça, mais. Radam, elle dit que tu peux faire une annonce au moins, il voit. Bon, tu peux la faire? Moi je peux la faire, je vais y voir. Fais-la, fais-la s'il te plaît. Je vais te dire, je vais te dire. Bon, on va pas se mentir, c'est trop de balles d'Espagnol. S'ils avaient eu la. Pas eu le but contre leur camp au début, c'était bien quoi. Attends, les deux ont joué la clé, mais je suis en train de transpirer comme un chien. But Espagne, elle est fait. C'est qui contre qui là? Croatie-Espagne. Il y a 3-3 et ils viennent de marquer un quatrième. C'est... Ils sont énervés ou quoi? Ouais, ouais, c'est la prolongation là. Moi je suis pour l'Espagne, pas de mon cher quand même. Refait, t'es radio quoi? Il pisse ce que j'ai fait. Vas-y. Tu peux laisser un pétoir de côté ou pas, s'il te plaît? Un pétoir. Ah, pas pour maintenant, juste le garder de côté s'il n'y en a pas assez. Vas-y. Il y a 4-3 à l'effet. Voilà notre habitant. C'est 15K, tu me dis. Hein. Ouais. Vas-y, vas-y, carré. Ouais, ah ouais, je sais ça. Il manque l'habitant qui nous ramenait 80 TR, il manque. Bah justement, c'est à lui, je vais voir un ouais. Non, vrai, c'est un bon, justement. Mais au moins, il est motivé, au moins, on peut l'enlever. Bah, c'est ça, c'est 14h du matin, on lui a demandé, bon. Ok, il était minuit, il est revenu à 3h pour 80, mais c'est déjà ça, genre le soir. Je sais pas si t'es au courant, il a un coffre, il est chargé de weed de chez nous. Là, il va en reprendre encore. Ouais, mais... Et laissez-le faire son truc, il est heureux comme ça. Bah oui, justement, nous on le met bien, on lui apprend comment faire et tout. Laissez-le heureux, au moins, il l'a, il est content de vivre et c'est bien. Ah ouais, on le met bien, on lui donne des petites techniques, au moins, tu vois, il dit putain, les bagos, c'est des bons. Ouais. Alors, c'est des trucs tout claqués. Trop un bon Tolio. Ouais, je sais, mais le pire, c'est Radamel, quand il met des coups de pression, il a peur. Les coups de pression à Radamel, ils mettent bien. Ah, mais Radamel, c'est un fond. T'es un grossiste. Ouais, je m'en rappelle. J'étais mangé une rafale d'usi, buenas noches. Hein? Putain, y'a un mec qui m'a envoyé un message, il m'a dit putain, dis dire que t'as Yari qui me manque. Je comprends pas. Mais c'est vrai que t'as Yari qui me manque. Mais il était jamais là. Pas moi, on me bat les couilles. Je l'ai même aimé ce mec là. Ouais, c'est un 4-3, j'avoue, en vrai, 7 buts, t'es bien. Après, l'Espagne mérite de ce que moi j'avais vu, il méritait. Sauf si. Ouais, je sais, Lenzi, je sais pas, j'ai bien vu. J'ai encore à lire mon chat, merci. Et t'es payé quoi, toutes les semaines ou tous les mois, Rada? Oh, Rada Moule. Toutes les semaines, je t'ai dit. Ah, j'ai pas entendu. Vas-y, je suis au mécano, je sais pas où vous êtes, mais... Je peux prendre la grenade et tester la sable ou pas, Rada? Oui, oui. Oui, oui, vas-y. Juste devant toi, la Rada Mel. Quoi me donner toi? Rien. Ah, si, qui me dit qu'il y a pas la table, il doit me donner un truc. De quoi? Eh, Radio, on peut vendre des trucs à part de la weed ou pas? Genre la coco, je crois. Moi j'ai 500$. Que de la weed. Si tu veux. Que de la weed pour l'instant. Vas-y. Bien sûr, c'est moi, j'étais. J'ai rien dit.
Ah, je sais pas, non, peut-être pas toi, c'est qui du coup alors? Je sais plus. Quelqu'un qui a dit qu'il y avait un truc à me donner à part Radamel, non? Ou je suis bourré? Hein? Non, je sais pas, bref. Ouais, il y a grave du monde là, ouais, j'entends pas personne. Putain, c'est une petite, il y a tout le monde là. Vas-y, Réfi, viens, je suis derrière toi. Là, c'est à moi de nier à toi, ça y est, je suis une princesse toi maintenant, ça y est. Mais la banque, elle est là. Ouais, c'est ça, petit tour du cul. Là. Allez, bah, j'attends à la banque, hein, du coup. Tiens, mets dans mon sac, tu connais, je te l'ouvre. Comme d'hab, tu connais, je garde pour de la custom. Ouais, bien si sûr. Jamais. Merci à ce Rada. Il m'a donné combien là? C'est bien, ça fait de la plata ici. J'espère que la fin de semaine je suis bien payé là parce que je vais tout casser. Pareil, elle est fait, comme ça, il te la répare. Elle est cassée? Regarde, regarde. Si je vois qu'elle est cassée. Ouais, mets un petit coup sur la cadenas s'il te plaît. Oui. Ok, gracias. J'ai posé la plata, bien vu. Ouais, surtout qu'en plus, il faudrait déjà qu'il soit chez les Vagos pour son Vagos, ce petit Lenzi. Hein. Donc, il s'est barré à deux jours. Ah, joli ça. Et ça me saoule, j'avais baisé le flic trop vite déjà. C'est ça mon problème en fait. Le problème, c'est que je sais semer des flics, mais je suis incapable de rouler sur une route entière. T'as pas vu avant que moi j'ai baisé les flics? Bah tu vas voir la rediff comme tout le monde, hein. Tu me feras pas chier. Mais il est déjà 20h16, c'est un délire comment ça passe vite. Ouais, j'avoue, je pense que c'est ce qu'on va faire, ça et tout. Ça allait poser la plata avant quand même. Ressources? Ressource. Je crois qu'il t'entend. Radamel, tu veux quoi? Si. T'as vendard de la droga? T'as vendard. Un mandat quoi? T'as vendard de la droga, j'ai dit. Un vendeur de drogue? Je vends à l'habitant. Ah, carré. T'as quel habitant? Santador. Oh là 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 là. Il est encore lui?
T'as dit quoi, Radamel? Dis, est-ce qu'il existe encore? Ah oui, il existe encore. Dis-lui que je vais le matar. Ah, t'as dit quoi, Radamel? Dis-lui, je vais le matar. Son tendeur, Radamel, il t'a dit qu'il va te matar. Il a dit, viens, on va parler. Dis-lui qu'il a qu'à venir, je suis en train de travailler. Il a dit, viens, viens, je suis en train de travailler. À ton grand âge. Hop, tac. Ah, j'ai tout cassé, mec. Eh, vas-y, Jesus, j'arrive. La vie de ma mère, j'arrive. Vas-y. Mais je suis con, c'est pas le bon truc. Ah, je suis bourré. C'est ça, mon cerveau, mon problème, c'est ça, ouais. Je sais que je suis bête. Tac. Il s'appelle Radamel, pas Gargamel. Ça va taper des barres, là. Quand la MP s'est greffée. Il avait un flow négatif, il avait un... et tu l'as valé sur son flow. Vas-y. Ouais. Radamel, j'ai croisé Malo au barrio, il t'appelle, il crie. Allô? Il crie, hé Radamel! Ah oui, j'arrive. T'as un mot à lui dire ou pas? Ouais, dis-lui que c'est un traître. Non, mais tu peux, il t'inquiète pas, il t'entendra avec la wifi, t'inquiète. Tu peux lui dire ce que t'as à lui dire. C'est un traître. Voilà. Hé Radamel, on t'entend à Paris, c'est bon? Quoi? Vas-y, j'arrive. Il a dit non, je te mangeard, désolé, Radamel. Ah. Ah, y'a Radamel. Non. Eh, fais gaffe au Pounder, Tullio. Fais gaffe au Pounder. Ah, il y a deux gars qui nous proposent si on veut prendre le radio Mosaic. Je sais pas, il est en train de demander la radio là. Du coup, si je leur dis à quelle heure ou pas, enfin genre. On va voir avec le réfé. Ah ouais. T'as dit quoi? Vas-y, dis-moi. Ah, il y a deux gars qui me proposent de savoir si on prend. Vas-y, attends. Si on veut prendre de la drogue. En gros, du gun propose mettre. Maintenant là? Ils vont voir, ils vont voir. Ça m'arrange pas trop maintenant, je te cache pas. Ah bah, c'est ce qu'ils vont voir. Et dans 40 minutes, il y a le match. Ouais, bah. Est-ce qu'il y a les sous? C'est bon, t'as. Ah bah, t'es là. Ah non, c'est. Non, j'arrive. Oh là, oh là, réfé. Je suis au hôpital. Vous allez bien? Si ça va, arrête de me tutoyer, je vais te baiser. Je vous ai pas tutoyé. De me voyer, du coup, c'est l'inverse. Oh, vous voulez me baiser, réfé? Non, mais bref, t'as capté. Vous savez qu'il y a des gens que ça déprenait pas hein, de se faire baiser par un réfé. Ils ont proposé 300. Je suis au courant, mais. Et on n'est pas en disposition là, en vrai de vrai. Là maintenant, c'est une galère. Tout le monde est au barrio. Dis-leur. Ce soir. Dis-leur un peu plus tard. Ouais, il y a Ronnie. Attends, je vais appeler Ronnie. Je vais lui dire d'aller niquer sa mère. Là, il a un teniente en numéro. Ouais. Il a Radamel. Pourquoi vous avez tous des sacs rouges, Hermano? C'est pas beau les sacs rouges. Je te demande pourquoi t'as une barbe qui a des hauts-flaquettes, toi. Parce que moi, je suis un latino. Et moi, je suis quoi, moi? Wow. Je vais aller vous le looker, chéfé. On va aller dans un magasin de vêtements. Je vais vous habiller classe. Et bref, vous avec Radamel déjà. Ouais. Oh là là.
Radamel, bouge pas, j'arrive, je me mets en condition. Vas-y. Eh, le suicide, t'as dit quoi? Hein? T'as dit quoi sur moi? Il a dit il allait te baiser. Skip. Ah non, attends, viens voir. Viens voir, je te dis. Ouais. Et Askipar, ouais. T'as vanné. Ouais. Putain, fais chier. Oh lolo. Tu vas voir ta coachée. Ta coachée de merde. Merda. Moi je suis en bas gauche. Putain, merde. Tiens. Tu crois que je suis qui moi? Tu crois que je suis. Moi c'est Radamel, ta merde de merde. Putain, merde, toi, ta coachée de merde. T'as de la chose, je suis gentil. Hein. Ouais, moi j'ai travaillé. Ça va? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Eh les filles, regarde le suceur, regarde. Il est jamais là et bizarrement il est habitant, il est là. Aïe aïe aïe. Je vais faire la. C'est la première fois que. Ah, voilà, ah, lui, vraiment, c'est vraiment admirable. C'est qui ce mec là? Je sais pas, c'est un habitant. Tu peux souffrir. Oh là là. Souffle. Il est méchant, Gargamel, avec moi. Est-ce que tu peux souffrir? Gargamel. Ouais. On t'a acheté de quoi chez une pétoire, toi? Ça y est? Je vais en acheter un ce soir, Jefe. T'as la plata pour ça, moi? Mais j'ai bien. J'ai travaillé, j'ai charbonné. Ça date pas d'hier. Gracias. Pour mon Jefe, je le rendrai fier hier. D'accord. Mais moi, je suis. En fait, moi, je sais pas, je suis Segundo, donc tu vas me manquer moins de respect. Segundo caché. Pardon. Ok, bah, ça me dérange pas. J'ai promis d'aller relooker Jefe. Je peux faire une offre de groupe, tous les deux en même temps. Je vais voir. Laisse lui sa mère, Radamel, s'il te plaît. Non, c'est bon, il m'a déjà tapé. Aïe, aïe, non. Non, c'est bon. Aïe, aïe. Tu rates tous tes coups, putain, merde. Mais non, t'abuses. Por favor. Mais non, t'abuses toujours. J'ai un couteau, je peux pas l'utiliser sur toi parce que sinon tu vas me tuer. Ah, vas-y, t'abuses, là, vite. Et tu veux que je le fasse à ta place? Ah, ouais, que des cracks, Jefe, dans votre équipe, que des cracks, hein. Que des cracks. Ah, ouais, là. Ah, là, la douane, ça prend. Je vais faire à ta place parce que tu sais pas faire, ça y est. Aïe. Doucement. T'as amené-le à l'autre. Je vais appeler un médecin comme parce qu'il vient de se faire. T'es qui toi? Enlève ce masque. T'es un habitant, dégage. Va au tacos, dégage. Mais je suis au parking nord, j'ai pas le droit. Dégage, va au tacos. Je m'énerve. Affaire ta gueule, je pique. Aïe. Ah ouais, mais aïe, il est bouillant, votre collègue. Réfé, il m'a tapé. Bah, tu vois ça, hein. Arrache-le! Aïe. J'avais pas que le barillo était sponsorisé par Panther. Tiens, ça c'est gratuit. Bref, j'ai fait ma superette moi. Enfin, je vais en faire une autre. Fais bon courage! Ouais. En fait, non, j'ai déjà fait, j'aime pas la foi en fait. Je fais un tour plutôt, tiens. Aïe. Gargamel, je m'excuse, Herbado. Rada, tu m'entends à la radio ou pas? Ouais. Tu me feras les fourrières qu'il faut faire, s'il te plaît. Ouais, je vais le faire. Là, je vais le faire. Oui, bien. Oh, putain. Waouh, ça m'a. Bon, je pense que le petit live va prendre fin là. On a fait un petit truc sympa, c'était cool, histoire 2. Hein. C'était chill. De toute façon, je serai là demain. Ce soir, je vais sûrement jouer, mais sans stream. Pour aller baiser du Mara ou baiser du Balas ou me faire baiser. Tout dépend. Là, je vais me poser un peu, puisque j'ai le match qui va arriver. Et puis voilà. De toute façon, maintenant, je peux vous montrer les POV. Donc en soi, s'il y a des trucs à montrer, je vous les montrerai demain, dans l'après-midi. Et puis basta. Hop. Qui c'est qui stream à ce tour-là qui va pas regarder le match je vois. Qui stream, je sais qui je peux vous envoyer. Donc dans tous les cas je vous dis à demain. Je vous tiens au courant s'il y a du nouveau, etc. Bon c'est quoi, je vous envoie chez Golden qui est là. Hop. Voilà. Allez bisous, à demain.